Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2022. Alors d'abord, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que Noël s'est bien passé si vous fêtez Noël, que voilà, le nouvel an, etc., etc. Et je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. J'avoue que mon année 2021 a été assez chaotique par moments, donc j'espère pour ma part que l'année 2022 sera meilleure. Et du coup, d'autres petites choses à dire. Déjà, un énorme merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Merci à toutes et tous, c'est adorable. Écoutez, continuez de vous abonner si mon contenu vous plaît. N'oubliez pas que mes vidéos, c'est tous les samedis à 16h. Enfin, j'essaye d'être régulière, mais c'est un peu compliqué par moment. Mais bref. Voilà, normalement, mon régime actuel, c'est samedi 16h. Également, merci à tous les commentaires qui me font des suggestions de vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup parce que bah, quand je trouve un sujet qui me plaît vraiment, voilà, je me lance dans la vidéo et c'est chouette. Je sais qu'il y a des gens qui demandent à revoir Oklahoma. Et ne vous inquiétez pas, elle n'est pas partie bien loin et j'ai des projets pour elle et moi cette année, donc vous allez la revoir en temps et non en heure, ne vous inquiétez pas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Alors, vous voyez cette vidéo le 1er janvier, moi, je filme cette vidéo, on est le 24 décembre au matin. Comme vous le voyez, l'écurie, enfin particulièrement l'aire de pansage slash douche, a été super bien décorée par le centre équestre, c'est magnifique. Mais on n'est pas là pour ça. Donc comme je viens de le dire, on part en vacances avec Sam pour fêter Noël entre nous. On ne peut pas aller voir nos parents cette année pour diverses raisons. Donc on le fête entre nous. Je dois fignoler des cadeaux pour elle. Et elle est en train de négocier pour prendre un cheval avec elle. En fait, notre but là, en gros, hein, c'est de partir au village de Noël pendant 3 jours, donc le 24, le 25 et le 26. On partira le 26 au soir et on part là tout à l'heure à midi. La raison de ces vacances, c'est donc non seulement Noël, mais également le fait que Sam ne va pas très bien en ce moment. Elle m'a autorisée à parler de ça sur internet, pas de souci. En fait, elle a eu déjà beaucoup de boulot avec son travail récemment, c'est assez compliqué. Et il se trouve que Sam essaye d'avoir un cheval, comme moi, je vous l'avais expliqué. Elle cherche, et elle a commencé ses recherches justement 2 semaines avant moi. Et moi, j'ai eu mon cheval avant elle. Et elle a toujours pas trouvé. Et il faut savoir que Sam a des gros soucis de confiance en elle. Et elle le reconnaît. Et je sais. Et on vit avec. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, je pouvais pas me permettre Enfin, on pouvait pas se permettre de prendre un cheval à deux. Parce que, à cause de mon emploi du temps et du sien, on aurait forcément, et de toutes les manières, malgré l'emploi du temps, on aurait forcément créé une relation différente avec le cheval. Et Sam se serait senti mal, etc. Donc, on a décidé d'un commun accord qu'on ne ferait pas ça. Mais du coup, ça implique que Sam soit trouvé avant moi, soit trouvé après moi. Et ben, c'est le deuxième cas qui se produit. Donc, ça la rendait tellement mal, en fait, parce que c'était limite une compétition pour elle, du coup, depuis que j'avais Comet. Sauf que, moi, je pouvais pas m'empêcher d'avoir Comet juste parce que ça allait la rendre mal, et elle me l'a dit elle-même. Donc, on a décidé, et je lui ai conseillé, de prendre une pause, prendre du recul, et de toute façon, je lui ai dit, en général, c'est quand on cherche le moins qu'on trouve le plus vite. Donc, voilà la raison de ce départ. Et donc là, Sam est en train d'aller négocier pour avoir un cheval, pour qu'on puisse partir en balade toutes les deux et tout. D'ailleurs, vous ne verrez pas de balade de nous deux, j'en suis désolée, mais elle me l'a demandé elle-même. Elle préfère qu'on fasse nos balades
à deux, reposer et tout, ça lui manquait beaucoup, donc voilà, je respecte sa décision, et forcément, bah, je vais pas filmer à son insu, donc vous n'aurez pas de balade de nous deux, mais vous aurez une séance d'obstacles. Et puis, donc là, voilà, Sam est en train d'aller chercher un cheval. Alors, à la base, elle voulait Tsunami, sauf qu'il n'est pas disponible. Tsunami, rappelez-vous, c'est un pain horse qu'elle avait essayé pour le centre équestre et qu'elle avait beaucoup aimé. Et du coup, là, elle est en train d'essayer de négocier pour avoir la jument qu'elle avait pendant un certain temps en compétition. Ouais, il y a de ça 4 ans, peut-être. Et la jument, là, elle doit avoir 17 ans, je crois. Donc, voilà, c'est devenu une jument un peu plus bas niveau. Mais du coup, Sam la veut absolument. Donc, elle négocie actuellement. Alors là, je prépare les produits de soins et les seaux. Voilà, parce que Comet se blesse tout le temps. Là, je prépare les grains. Bon, c'est bon, j'ai remis le couvercle correctement. Là, je vais aller choper des brosses, 2-3 trucs et des friandises, bien évidemment. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Alors, le filet, ok, c'est le bon. Voilà. Et il me manque plus que les brosses qui sont tout en haut, évidemment. Super. Ok, je suis arrivée aux galeries. Oh là là. Oh, bah, il y a juste un sapin et 2-3 guirlandes. Je suis un peu déçue de la décoration. On nous avait habitués à un peu plus grandiose. Du coup, je vais aller voir déjà dans la boutique de tapis de sel parce que je veux voir aussi pour un nouveau tapis pour Comet. Et ensuite, on ira dans une autre boutique. Ah ouais, ceux-là, ils sont sympas. Et là-bas... Ah ouais, mignon. Ah, j'aime bien celui-là. Ah ouais. Oh, le bleu comme ça, j'aime bien. Ah, ce bleu-là, il est aussi sympa. Très, très sympa. Ah, c'est dur de choisir. Hein. Je crois que je choisirai pas aujourd'hui, de toute façon. Oh, je sais pas, c'est dur. On dirait des feuilles de cannabis. Et les filets, ils sont mignons. Hein. Vraiment. Merci beaucoup, c'était très aimable. Bonne journée. Donc là, je suis dans la boutique de décoration de chevaux, des nœuds et tout. J'ai trouvé ce que je voulais, mais je regarde un petit peu. Les bandes de polo, elles sont mimi. Hein. Je sais que moi, ça me saoule de mettre des bandes de polo, mais Sam, elle adore. Ah ouais, c'est sympa. Oh, bleu comme ça, trop beau. Donc ça y est, j'ai fini mes emplettes, je suis avec Comet, j'ai préparé toutes ses affaires qui sont dans le vent. Et bien il me manque plus que le préparer lui. J'ai eu des news de Sam, ça y est, elle a eu le droit de prendre la jument qu'elle voulait. Donc et bien je vais aller la voir juste après, je lui ai dit de m'attendre. Là le truc c'est que je vais préparer Comet, l'emmener au village, le mettre dans un box dédié. Et ensuite, revenir et aller chercher Sam aux écuries. Donc c'est parti, on y va. Allez chaton, ça fait longtemps que tu l'as pas vu celui-là. Hein. Mais oui. Allez, regarde. Et ouais, c'est bien mon loulou. T'es le plus fort.
Et recoucou, on est arrivé au village d'hiver tout à l'heure, là on vient de manger. Et vous, vous venez de voir Laurie, qui est l'ex-jument de concours de Sam, qui est une frison croisée ardennais avec du sang d'arabe dans ses origines. Je crois que c'est ses grands-parents, un truc comme ça. Donc, vraiment, ce cheval est un mix total, on n'y comprend plus rien. Et du coup, voilà. Là, ce qui va se passer cet après-midi, c'est que je vais aller monter Comet. D'ailleurs, ces vêtements que vous voyez là, c'est un cadeau de Sam. Et elle m'a offert vraiment la même chose assortie pour Comet. Ma copine est géniale. donc voilà. Je tiens à préciser d'ailleurs que tout ça vient de Friperie. Donc elle l'a pas payé cher. Je le sais, je la connais. Enfin, on roule pas sur l'or non plus, donc voilà, on n'est pas riche, je tiens à le préciser, et du coup, voilà, tout ça, elle a trouvé dans des fripes de Jorvik, et franchement, mais c'est génial, allez dans les fripes. et du coup, là, le programme, c'est que je vais faire ma séance d'obstacle avec Comet, et j'irai faire une balade après, et demain, Laurie et Sam feront la leur. Et nous voilà comme toujours en voix off pour vous détailler ma séance qui est, accrochez-vous bien, ma première séance d'obstacle avec Comet. C'est pas fou ça? Non, franchement, je suis trop heureuse. Alors là, l'histoire c'est que j'ai détendu, beaucoup détendu. J'ai pas mal travaillé sur mes transitions, notamment vous allez voir au galop de faire du pas galop. C'est un problème que Comet a, j'ai remarqué. Il a du mal, bon, à part en balade et dans son pré, mais il a du mal à comprendre les demandes donc de faire du pas, enfin de passer du pas au galop directement. Et c'est assez étonnant. Mais outre mesure, il n'était pas du tout dérangé par l'environnement nouveau et tout, ils s'en fichaient complet. J'avais beau me mettre en piste intérieure, en quart de piste et tout. Là, vous voyez, je me mets en quart de piste, il ne dit rien. Je fais un cercle, il ne dit rien. Bah, ma foi, très très gentil poney. Vous voyez qu'il a toujours cette attitude très détendue. Et d'ailleurs, on peut remarquer à quel point l'équipement que Sam m'a offert lui va bien. Là, j'ai fait une transition assez rapprochée et je voulais justement qu'il parte du pas, mais ça ne s'est pas produit. Donc là, je retente un cercle, je repasse au trot puis au pas et je relance le galop, mais encore une fois, il passe au trot entre les deux et c'est vraiment compliqué avec lui. Hein. C'est pas de tout repos. Là, je lui demande un petit allongement. Pareil, il me le fait très bien et il repasse très vite au pas, au trot derrière. Là, il me repart très bien au galop. Donc franchement, c'est un très très bon cheval. Il réagit bien aux demandes et il reste à l'écoute du cavalier. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on lui a appris justement à passer au trot. Et là, vous voyez qu'il me fait the transition. Donc j'étais trop fière. Je le laisse un peu aller à sa guise, à un galop un peu plus élevé. Je le sentais qu'il voulait avancer, donc je le laisse aller. Vous voyez, je suis très posée, en équilibre et tout. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et là, je le reprends un petit peu.
je retrotte, je repasse au pas et je redemande le galop pour vérifier que c'était bien acquis. Et bon, pour cette séance-là, c'était bien acquis, donc j'ai pas demandé plus, même si j'aurais peut-être pas dû recommencer à demander si ça avait raté, enfin bon, bref. Mais du coup, là, ça a bien réussi, je l'ai laissé souffler et après, on est passé au trot. Au trot, pas grand-chose à dire, il était toujours sur la main. Pas forcément, c'est pas forcément un cheval que je cherche à placer, c'est pas un cheval de dressage. Donc voilà, il n'y avait pas de problème. Les transitions marchent bien avec ce poney, donc voilà. Vous voyez qu'il transitionne bien. Là, je l'arrête, je le caresse. Et hop, on repart, pas trop, assez rapidement. Donc, ma foi, ouais, très bonne transition. C'est vraiment juste le galop hein, qui dérange. Mais on va travailler dessus sur le plat, etc. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, voilà. J'ai continué à bien le trotter dans toute la carrière pour bien réchauffer ses muscles, hein, pour qu'il soit bien réveillé. Continuer à, voilà, à lui faire bosser le rebond et les cercles, même si ça n'allait pas servir beaucoup dans la séance du jour. C'était pas du tout un travail sur la direction, c'était vraiment un travail juste sur le découvrir à l'obstacle. C'est plus un travail pour moi que pour lui, pour le coup. Mais voilà. Là, on part sur le premier passage. J'ai décidé pour ce premier passage de vraiment mettre des obstacles à 10 cm. Ouais, il me les saute quand même, hein, voilà. Et je fais un cercle. En fait, je vous ai dit que je n'allais pas travailler sur la direction. Mais je fais un cercle entre les obstacles pour le garder bien avec moi, comme je ne sais pas comment il va réagir. Je le laisse au petit galop. Là, il y avait un mini soubassement de buisson et tout. Donc voilà, et je le repasse au trot juste après. Je n'avais pas mis d'autres obstacles en fin de ligne. Donc voilà. Ensuite, je repars au trot sur ma ligne. Je ne sais plus si je pars au galop ou au trot. Non, non, je crois que je suis restée au trot justement pour le faire bosser un petit peu les abdos sur 10 cm. C'était pas non plus bien grave. Donc voilà, là encore une fois, il me le saute. Donc bon, voilà. Et là, je le laisse sur une ligne droite, mais je repasse au trot entre les deux. Travail de transition pour que le cheval garde son attention sur moi. Et ensuite, voilà, je le repasse au trot pour le féliciter. C'est très bien. Donc là, vous voyez, hop, encore un passage. Cette fois-ci, j'ai augmenté les barres parce que j'ai vu qu'il était à l'aise. Moi, je l'étais un peu moins, en revanche. Vous voyez, je reste beaucoup en arrière, j'accompagne. Pas du tout mes sauts, c'est terrifiant. Là, il accélère un peu, mais je le reprends un peu fort peut-être en abord. Et là, il réaccélère. Donc, j'étais pas très très contente. Donc, je fais faire un cercle pour qu'il se calme. Et du coup, je change un petit peu ma méthode d'abord. Donc, je viens dessus au galop. Là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je fais un cercle pour venir en fait ressauter à chaque fois chaque obstacle, mais toujours dans le calme. Et comme on bosse sur un cercle, eh ben, le cheval doit rester à l'écoute, rester incurvé, garder en même temps son impulsion et sa vitesse. Là, voilà. Et je change aussi le sens des cercles. Donc là, c'était main droite et là, on passe à main gauche. Donc voilà. C'est plutôt intéressant comme exercice si vous avez un cheval justement qui a tendance à un peu chauffer ou si vous-même vous pensez, vous avez un peu peur des barres, etc. N'hésitez vraiment pas à faire des cercles entre les obstacles, etc. et à bosser sur des lignes. Là, j'ai tourné un peu fort, main droite. J'ai tourné un peu fort. Mais il ne devrait pas y avoir de soucis sur le reste. Enfin, pour plus tard, en tout cas, avec lui. Là, je saute un peu de biais. C'était un peu honteux, mais... Et voilà, la séance est déjà finie. Je voulais pas faire une grosse séance. C'était juste pour vérifier comment il sautait, etc. C'était vraiment notre première séance. Bah écoutez, extrêmement, extrêmement contente de ce poney. Non, vraiment, il est formidable. Je le trouve vraiment très sympa à l'obstacle. Il chauffe pas plus que ça, c'est juste qu'il accélère, mais ce sera un problème
assez facile à régler, puisque en fait il revient très rapidement avec moi juste après. Donc voilà. On a vraiment zéro problème, ce poney est génial. La séance est finie. Je suis un peu essoufflée parce que j'avais froid et là maintenant j'ai très chaud. Sensation bizarre, en plus j'ai le visage qui gèle complet et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des mitaines. Voilà, regardez, mes doigts sont gelés, comme mes orteils. On va lui commettre, bon ça va, avec sa couverture polaire là. Sa couverture polaire, que je l'appelle son poil d'hiver, là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié le cadeau que m'a fait Sam. Je le trouve magnifique. Vraiment, il est trop beau. Un équipement comme ça, c'est trop, trop bien. Ma copine, c'est la meilleure. Vraiment, je vous le dis, c'est la meilleure des meilleures. Ah bah, il baille quand je dis ça, lui. Ah, t'es jaloux ? T'es jaloux ? Ah, mon chat ? Oh non, t'es pas jaloux, mais tu sais que t'es le meilleur cheval. Bon bref, là je vais partir en balade en GoPro avec lui. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais sinon la journée est finie et on se retrouve demain pour la séance de Sam. Petite voix off pour vous représenter un petit peu Laurie, qui est donc mixée frison ardennais arabe. Et pour vous montrer aussi le merveilleux équipement que je lui ai offert. Donc un équipement tout en rose avec des rubans de queue et de bridons aux couleurs du drapeau lesbien, puisque Sam est lesbienne. Donc voilà. Et des bandes roses, puisque Sam, comme je l'ai dit, adore les bandes de polo. Elle trouve ça trop bien. Et un tapis rose pour aller avec. Donc voilà, c'est mon cadeau. C'est un peu de la marque. Donc forcément, je ne pouvais pas lui offrir tout l'équipement comme elle l'a fait avec moi. Mais en tout cas, bon, j'espère qu'elle est contente. Enfin, elle m'a dit qu'elle l'était, donc voilà. Et pour vous prévenir que les commentaires que vous allez entendre, c'est moi en pleine séance. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ouais, on va la travailler en cercle beaucoup. Rappelle-toi que vu qu'on va faire un parcours là, tu sais qu'elle chauffe. Et c'est la première fois que tu la montes sur un parcours en hackamore. Même à l'obstacle, hein, je crois. Donc, puis qu'elle a ses problèmes dedans là, elle est encore plus insupportable. Donc vraiment, tu ne tires pas sur les rênes. Voilà, tu gardes le contact très lâche comme t'as, et tu peux faire des transitions là, t'entraîner. Très bien ça. Vas-y. Ouais, super. Ok, en B, tu me fais une transition. Ouais, un peu en avant. Mais pas mal. Oh, elle m'a dit donc. Elle est surexcitée la jument. Ok, super. Vraiment, tu tires pas. Hein. Tes transitions sont très bien là. Ok. Très jolie la ligne droite. Vraiment, c'est bien. Ok. Ok, tu la gardes dans un galop un peu doux, comme ça, ouais, très bien. Voilà, le cercle, c'est pas mal, par contre, il faut la laisser un peu dégazer. Tu peux accélérer dans la longueur, peut-être, pour un petit peu la... Voilà, histoire qu'elle dégaze, voilà, et puis qu'ensuite, du coup, vu qu'elle avance là, elle sera déjà un peu plus fatiguée, enfin bon... Vu comment il fait froid, c'est pas sûr, mais tu peux la reprendre peut-être. Voilà. Alors, pas trop fort. Hein. Ok, pas mal. Joli changement de pied avec. C'est bien. Ok. Plutôt bon. Ok, tu viens sur la croix. Et je veux qu'elle vienne au trot.
Voilà, tu viens droit et au trot, seulement au trot, seulement au trot. Oh, eh ben voilà. Eh ouais. En plus, c'était pas très droit. Vas-y, recommence. Et cette fois, tu fais vraiment au trot, au trot. Oh, eh voilà, et voilà. Eh oui, t'as tiré là. Bah viens ou pas? Ok. Et doucement, et tu tires pas. Tu fais tout mou dans le corps, comme ça, elle s'en fiche. Voilà. Et les jambes, c'est parfait. Ok, tu me refais ça, super. Et très doucement, hein, au pas, toujours au pas. Voilà. Ouais. Excellent ça, excellent. Ouais, on peut commencer à enchaîner. Peut-être plus doucement là, ça. Ok. Non, mais ça marche. Ok, mais tu me la reprends après. Tu peux la laisser galoper un peu. Mais par contre, il faut vraiment que tu aies le contrôle. Là, t'as pas le contrôle, Sam. Oh. Ok, le tournant est pas mal. Faut vraiment que tu gardes plus le contrôle. Elle est pas facile comme jument. Elle a fait languir parce qu'elle voit les obstacles partout. Tu passes bien derrière. Mais surtout, tu relances pas dans la courbe, hein. Parce qu'avec elle, si tu relances dans la courbe, c'est fini. Ok, super. Et là, tu me fais l'épingle comme on a vu. Voilà. Et du coup, ça la ralentit un petit peu. Doucement. Voilà. Très joli. T'aurais pu faire un peu un demi-arrêt. Là, je veux que tu me fasses un joli demi-arrêt sur l'auxerre. Je ne le montrerai pas, l'auxerre, si c'est un auxerre carré. Demi-arrêt, tu relances. Voilà. Ça, c'était beaucoup mieux. Et oh. Oh. Tu peux ralentir, Sam. C'est pas la course non plus, hein. Oh. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. On fait le deuxième? Là, tu vas me faire le même tour. J'ai monté les barres. Sauf que pareil. Vraiment, là, tu vois, elle est excitée. Elle bouge dans tous les sens. Elle renifle et tout. Elle voit un environnement qu'elle connaît pas. Voilà. Elle se remet à piaffer. C'est le bazar. Non, mais là, c'est le bazar dans sa tête. Donc, il faut vraiment que tu arrives à la canaliser. Ok? C'est le but. Voilà. Je veux simplement, purement, que tu la gardes sous tension, mais que tu sois au contrôle. Ok? Si t'es pas au contrôle, tu t'arrêtes et tu ressautes une croix au pas, histoire qu'elle se calme. Ok? On est bon là-dessus? Allez, c'est parti. Ouais, c'est le même tracé, sauf que les barres sont un peu plus hautes. Donc là, il va vraiment falloir que tu gardes un peu plus de. Bon, bah, dis donc, tu m'as fait languir là, je pensais que tu partais pas. Ok, ouais. Sauf que là, voilà, tu passes derrière l'obstacle, sauf que là, doucement. Alors, c'est quand même un auxerre. Demi-arrêt. Oula, c'est quoi cet abord là? Tu fais un peu n'importe quoi là. Hein. Là, reprends-toi. Demi-arrêt, pas mal. Demi-arrêt pas mal. Ok. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Là, ouais. Relance pas trop dans la courbe. Hein. Tu gardes le contrôle, comme on a dit. Ok, c'est pas si mal. Voilà. Exact. Exact. C'est ça qu'on veut. Ok, maintenant l'épingle. Tu te rappelles. Voilà. Ça la ralentit. Pas plus vite que ça. Pas plus vite que ça. Il faut vraiment que tu gardes plus de train quand tu pars sur tes verticaux. Tu te rappelles, le demi-arrêt, c'est juste avant l'obstacle pour le rapprocher et faire plutôt un saut en cloche. Ok. Bon, là, le demi-arrêt est un peu raté, hein. Ok. Eh, hey, doucement, doucement, doucement. Aïe, 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 qu'est-ce que tu nous fais, là? Ok. Doucement. Ralentis là et tu me fais un cercle autour de moi. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu relou avec le hackamore. Je pense qu'il faudrait quelque chose d'autre sur lequel on aurait un peu plus de contrôle et on pourrait mettre un peu plus de pression. Parce que... Et en plus, les longues branches comme ça lui correspond pas du tout. Donc, il va falloir trouver autre chose. De toute façon, on ne peut plus lui mettre de mort avec ses problèmes de dents. Mais là, c'était bien. Le seul hic que j'ai vu, c'est qu'il faut vraiment que tu arrives à garder le contrôle et que tu mettes vraiment, que tu la retiennes un peu plus pour garder un peu plus le jus, par exemple devant les verticaux. Voilà, c'est le seul conseil. Mais sinon, c'était très bien.
est le 26 et comme promis, je suis rentrée. J'ai d'abord été déposer Sam et Laurie au centre équestre et ensuite, eh bien, j'ai ramené Comet. Les gens au village étaient absolument adorables. Vraiment, merci à eux, c'était trop mignon. On a passé un Noël absolument magique, c'était trop chouette. Merci à Sam pour ses cadeaux. Elle me remercie aussi pour ce week-end parce que, bon, il faut savoir que j'ai payé les trois quarts du week-end aussi, mais c'était mon cadeau pour elle et elle en est très heureuse. Enfin, ça l'a beaucoup ressourcé, donc j'en suis ravie. C'est tout ce que je demandais. Oula, je vois que Comet derrière moi s'impatiente et est très fatiguée. Ça lui a demandé pas mal de réflexion ce petit week-end parce qu'il a vu plein de trucs qu'il avait jamais vu avant. Donc voilà. moi, je vais vous laisser. Bon, voilà. Encore une fois, vous n'avez pas vu grand-chose d'autre que des séances. Mais ça va changer dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Comme j'ai dit, j'ai des projets avec certains chevaux, donc on verra par la suite. Et bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une très très bonne année 2022 encore une fois. Je vais vous faire des très très gros bisous, je vous adore absolument toutes et tous, vraiment tout le monde. Toujours, voilà, je vous aime. Vous êtes vraiment adorables avec moi, très bienveillants et c'est tout ce qu'il me faut. Donc, eh ben moi, je vais vous dire à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!